Bienvenue à tous et à toutes, au nom de Gopalji Mandir. On va lire ensemble un verset de la Srimad Bhagavad Gita. Chapitre 4, verset 36. Apichedachi pabhebhya sarvebhya papakrite tama sarvam jnana parveneva vrijinam chantarichachi. Même serais-tu le plus vil des pécheurs, en prenant refuge du navire du savoir transcendantal, tu pourras franchir l'océan des souffrances. Commentaire. Selon Sri Abhijvana Chakravarti Thakur, en énonçant ce verset qui commence par Api Ched, le Seigneur décrit les gloires de la connaissance transcendantale. À cet effet, le mot Papebhyo indique que même si un être est le pire des pécheurs, cette connaissance transcendantale le libérera de tous ses péchés passés. Une question pourrait alors se poser. Comment un mental qui est souillé par le péché pourrait-il être purifié? Si le mental est impur, comment la connaissance peut-elle se manifester en lui? Il est dit que lorsque cette connaissance apparaît dans une personne, elle ne peut plus mal se comporter ni commettre de péché. Sur ce sujet, Shripad Madhusudan Sarasvati explique ces deux mots. Apiched sont énoncés pour indiquer la possibilité de l'impossible, ce qui va à l'encontre de toutes les règles. Il explique le résultat qu'apporte une telle connaissance et proclame ses gloires. Ils sont employés comme une prédiction. Un dévot du Seigneur en qui cette connaissance apparaît voit réduit en cendres tous les résultats de ses actes vertueux ou impies. Il voit aussi son mental libéré de toute tendance à pécher. Il peut alors agir parfaitement en relation avec le Seigneur suprême. Ses actes ne relèvent que du service de dévotion, ce qui implique qu'elles n'ont plus aucune répercussions karmiques en ce monde. J'avais. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasme Shigurave Namaha Namo Vishnu Padaya Chaitanya Prestarupine Shishimad Bhakti Chandanaya Yati Goswami Namine Namo Vishnu Padaya Gauranga Prashtarupine Shishimad Bhakti Vibhudayave Guranithi Namine Namo Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shishimad Bhakti Vedanta Narayanithi Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Shimati Bhakti Pragyana Keshavati Namine Namo Vishnu Padaya Ghora Prashtaya Bhutare Shimati Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Shimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Shimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Ghor Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Vahancha Karpataru Vyacha Kripa Sindhu Vyayvacha Patitanam Pavanivyo Vaishnavivyo Namo Namo. Dans ce monde, on est amené à agir et on peut observer que quand on agit pour notre satisfaction, pour nous-mêmes, tous les jours on est amené à faire différentes choses et on peut voir qu'il y a une certaine... les choses se reproduisent de jour en jour. On a une certaine habitude à faire certaines choses. Par exemple, quand on va au travail, les personnes ils boivent leur café avant de partir, ils prennent leur petit déjeuner, ils se préparent très rapidement, et tous les jours, ils vont reproduire ce même schéma. Ils vont conduire leur voiture, ils vont prendre le même chemin pour aller à leur travail,
Ils vont avoir les mêmes habitudes jour après jour, jour après jour. Et toutes ces choses que l'on fait jour après jour, tant qu'elles ne sont pas liées au service de dévotion, alors, comme l'explique ce verset, on engendre du karma, des actions mauvaises ou bonnes, selon ce que l'on fait. On est amené à agir pour notre propre satisfaction. Et donc, on engendre une certaine réaction à ce que l'on fait, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais dans cette régularité, dans ce quotidien, dans une vie matérielle, finalement, les jours passent, les jours passent, et simplement on reproduit les mêmes schémas. Dans la vie spirituelle, on est amené parfois aussi à faire certaines choses, comme par exemple dans un temple. Dans un temple, il y a évidemment un programme très régulier. Tous les matins, quand on a l'opportunité de venir par exemple au Mangalarti, on voit chaque dévot a des services qui leur sont répartis et tous les jours, dû à leur fixité, à leur dévouement dans leur service pour leur maître spirituel, ils reproduisent tous les jours les mêmes services. Mais contrairement à notre vie matérielle, tous ces services que l'on fait quotidiennement, c'est expliqué que c'est éternel. C'est comme on place dans un compte en banque spirituelle toutes les activités que l'on fait pour notre maître spirituel, pour le Seigneur. Dans cette régularité, quand on désire de plus en plus augmenter notre attachement à ce service que nous a donné notre maître spirituel, finalement, on se rend compte qu'on y prend de plus en plus de goût et que graduellement, on devient de plus en plus attaché à ce service que l'on obtient par la miséricorde des Vaishnavas, de notre Guru Parampara. Et dans cette régularité, finalement, graduellement, on développe ce désir d'augmenter notre service de dévotion. On désire augmenter cette attitude de service et de dévouement. Parce qu'il y a un goût supérieur que simplement agir pour notre propre plaisir quotidiennement, pour agir simplement pour ce corps extérieur. Quand on agit dans la matière, quand on agit pour nous-mêmes, on nourrit simplement notre corps, mais notre corps, il n'est que temporaire. Alors que quand on sert le Seigneur, on chante les saints noms, on s'associe avec les Vaishnavas et on les sert avec foi, on nourrit l'âme, et l'âme est éternelle. Donc la différence est énorme, et la miséricorde, l'opportunité qu'on a, est très importante à comprendre. C'est une miséricorde spéciale qui nous est donnée de pouvoir nourrir notre identité éternelle, de pouvoir nourrir ce qu'il y a de plus précieux. Shabbaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il expliquait, dans ce monde, tout le monde est avide d'argent. On est expert à augmenter notre compte en banque, à augmenter notre façon de travailler pour améliorer, pour gagner plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. On est expert à faire ceci. Il explique qu'on doit devenir expert à augmenter notre dévotion pour Krishna. On doit devenir avide et intensément désirer se nourrir, nourrir cette plante de la bhakti qu'a plantée le maître spirituel à travers Shravanam, Kirtanam, à travers l'adoration des déités, à travers tous les services qui nous sont donnés. Et les Vaishnavas, ils expliquent, même si il y a une certaine difficulté, il y a une certaine ascétisme dans cette pratique, on doit se forcer parce qu'on n'a pas encore pleinement de goût, on n'a pas encore
un goût pur pour faire toutes ces activités spirituelles, mais par notre effort, par notre ascétisme, graduellement, on développera un goût supérieur, graduellement. Les Vaishnavas expliquent, Shabaksyantanarayan Goswami Maharaj, j'écoutais une de ses conférences, il expliquait par toutes ces pratiques spirituelles que l'on fait quand on écoute les sadhus, quand on vient au temple, on chante pour la déité, on habille les déités, on cuisine, toutes les activités que l'on fait, il faut avoir foi certainement qu'un jour, grâce à toutes ces activités spirituelles, on obtiendra le but, on obtiendra cette pure réalisation de qui nous sommes véritablement. La seule obstacle véritable que les Vaishnavas expliquent, et tous les Vaishnavas expliquent ce même principe, c'est l'offense envers les Vaishnavas, envers les sadhus. Un jour, Mahaprabhu, dans Sri Chaitanya Charitamrita, c'est expliqué, Shri Bhaktivinoda Puri Maharaj, il explique ce divertissement dans le cœur de Krishna. Il y avait un grand, grand pandit, Devananda, qui récitait le Srimad Bhagavatam d'une manière tellement belle, et il y avait plein de disciples à lui qui étaient très attirés par son Harikatha. Et un jour, Srivas Pandit, il passait devant la maison de Devananda Pandit, et quand il a entendu les versets du Srimad Bhagavatam, ça l'a rempli de félicité et d'amour. Tous les 8 symptômes d'extase se sont manifestés en lui, et il était complètement absorbé dans les textes sacrés du Srimad Bhagavatam. Mais les disciples de Devananda ont été gênés par cette extase qu'avait Srivas Pandit. Et donc ils l'ont sorti dehors et ils lui ont demandé de partir. Devananda n'a rien fait, bien qu'il l'a vu, il n'a rien fait. Et donc, plus tard, Mahaprabhu lui a expliqué, dû à son offense, bien qu'il connaissait parfaitement les Écritures, il ne pourrait pas réaliser Krishna. Donc les offenses aux Vaishnavas, les offenses aux sadhus, doit être véritablement ce qu'on doit écarter. Très loin, très loin, très loin de notre mental, de notre cœur, de notre parole. C'est quelque chose qui est évidemment pas facile à faire. Mais c'est le but. Le but doit être de vouloir devenir le serviteur du serviteur d'un Vaishnava. Donc, si on offense les Vaishnavas, forcément, le but ne sera pas possible pour nous. Shabaktivedanta-narayana Goswami Maharaj, il explique que il avait une relation très intime, très profonde avec Shabaktivedanta Swami Maharaj. Quand il venait en Occident, il le faisait simplement pour lui faire plaisir, parce qu'il lui avait demandé de faire ce service-là. On voit tous les Vaishnavas qui voyagent à travers le monde, comme on a l'opportunité de recevoir un très très grand Vaishnava ici, qui vient pour nous donner sa mésaccord, Chabakti Bibhudav Dayan Goswami Maharaj. Il voyage à travers le monde pour répandre le message de Sri Chaitanya Mahaprabhu, empli de cette miséricorde. Et il ne demande rien en retour. Simplement, l'audience, les personnes qui écoutent les conférences développent ce même désir dans leur cœur. Et pour ça, il faut être véritablement patient et déterminé. Tellement, tellement de grands Vaishnavas nous ont montré des exemples de détermination et de
foi dans les instructions de leur maître spirituel. Tous les Vaishnavas expliquent qu'il faut développer une foi ferme dans les instructions que nous donne notre gourou. Et dans ses paroles et dans la façon dont il pratique sa vie spirituelle, notre foi envers notre gourou doit grandir. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas nous-mêmes de goût spirituel qu'on doit développer de l'envie pour ceux qui en ont. Au contraire, on doit développer une attitude de mendier pour recevoir ce qu'ils ont dans leur cœur, pour recevoir cette bhakti, cette dévotion. Même si on est le plus vil des pécheurs, en prenant refuge du navire du savoir transcendantal, tu pourras franchir l'océan des souffrances. Quelle que soit notre condition, quels que soient nos désirs qu'on a pour l'instant dans le cœur, toutes ces choses-là peuvent partir. Il faut être convaincu, il faut avoir foi dans les paroles de Krishna. Peu importe notre condition, pour l'instant, certes, j'ai plein d'envie dans mon cœur, j'ai le désir d'avoir une certaine position, j'ai le désir d'être indépendant, je n'arrive pas encore à m'abandonner, je n'arrive pas à chanter purement les sanoms. Mais en prenant refuge de ce savoir transcendantal, comme l'explique Krishna Arjuna, graduellement, il faut être sûr et il faut être convaincu qu'on arrivera à atteindre ce but. Ce but est très élevé. Quand on entend parler les sadhus, on voit bien que ce but est très élevé. C'est pas quelque chose d'ordinaire, de facile. C'est pas un but de pacotille. Dans le Vaishnavisme, on n'aspire pas à développer des pouvoirs, des siddhis, on n'aspire pas à la libération. On n'aspire pas au bonheur, on n'aspire pas au malheur, on aspire simplement, les Vaishnavas nous disent, à servir Krishna. Et ça commence par servir le maître spirituel. On sert Shabaktilakshakshiladev Goswami Maharaj, il explique, il n'y a qu'un fou qui veut servir directement Shishir Radha et Krishna. On sert le maître spirituel, on sert les Vaishnavas. Parce que c'est le représentant direct de Krishna. Krishna, il est endetté envers ses dévots qui lui sont tellement chers, ils ont pris son cœur. Les Vaishnavas ont pris le cœur de Krishna. Krishna, il leur donne tout, mais ils ne demandent rien, parce qu'ils ont besoin de rien, les Vaishnavas. Ils sont satisfaits en eux-mêmes, c'est expliqué. Donc, pour finir, à travers ce processus du service de dévotion, nous sommes tellement fortunés parce que on nourrit l'âme directement et graduellement, on progresse dans notre conscience. On peut développer des qualités qu'une personne qui n'a pas cette possibilité de rentrer en contact avec les Vaishnavas et avec le service de dévotion ne pourra pas. Quand on est dans ce monde, qu'on est simplement désireux de maintenir son travail, désireux de maintenir son foyer, s'occuper de ses enfants, et jour après jour, on n'a pas nourri notre âme, on a simplement nourri notre corps extérieur. On a simplement augmenté nos attachements à ce monde. Les attachements à ce monde sont illimités. Les désirs de jouissance, les désirs de plaisir dans ce monde sont illimités. Donc quand on choisit de mener notre vie de cette manière-là,
une possibilité de rentrer en contact avec le Seigneur est presque impossible. Seulement par la grâce des Vaishnavas, seulement dû à nos activités passées, un jour, par les situations de notre vie, on sera amené à comprendre, à se poser des questions, on se dira, je vais bientôt mourir. Et là, quand la mort vient, une personne peut se tourner beaucoup plus facilement vers Dieu, parce qu'elle ressent encore plus que tout lui échappe, que rien ne lui appartient, qu'elle a accumulé tellement de choses dans ce monde, des biens qui lui appartiennent pas, qu'elle a simplement été comme un locataire dans ce monde, qu'elle ne connaît rien de son futur. Qu'est-ce qui va lui arriver après la mort? On ne peut pas savoir. Tant qu'on n'a pas cette connaissance, on ne peut pas savoir. Donc le rôle des sadhus, le rôle des Vaishnavas est de devenir miséricordieux envers les êtres vivants, ne pas juger la condition d'une personne. Peu importe ce qu'elle fait dans sa vie, même le pire des pécheurs, Krishna l'explique, il peut atteindre Krishna s'il rentre en contact avec cette vérité transcendantale, avec un sadhu, avec un Vaishnava. Peu importe la religion, peu importe la croyance, le principe est de commencer. Et Vaishnava nous explique comment c'est notre désir de comprendre qui est Dieu. Et quand on commence graduellement, de vie après vie, vie après vie, on augmente notre désir de connaître, de comprendre. C'est expliqué, Bhavanam Jananate, ça peut prendre des vies et des vies et des vies. C'est pour ça que les grands Vaishnavas, quand ils parlent, c'est très tranchant, parce qu'ils savent la réalité, ils connaissent la vérité, ils ont vu la vérité, ils ont réalisé. Donc quand ils nous parlent, quand ils nous enseignent, tous les Vaishnavas, ils parlent de cette vérité. Donc, si on n'est pas prêt à l'entendre, si on n'a pas envie de l'entendre, si on ne désire pas changer notre vie, quand on entend cette vérité, ça nous fait comme un choc. Ça nous fait un choc. Parce que ils sont extrêmement miséricordieux. Ils veulent qu'on progresse. Par exemple, j'ai écouté une classe. Bhaktivinoda Narayana Goswami Maharaj. Dans l'audience, il y avait quelqu'un pendant le Harikatha qui s'endormait. Et à la fin, quand il avait fini, il lui a dit, lève-toi, s'il te plaît, devant tout le monde. Et il lui a dit, c'est pas comme on doit rester éveillé, on doit véritablement prendre conscience que le Harikatha des sadhus, pas des personnes comme moi, mais quand on écoute les sadhus, il faut être attentif, il faut ouvrir son cœur, il faut ouvrir ses oreilles. Parce qu'à ce moment-là, ils nourrissent notre âme. Ils nourrissent notre désir de vouloir progresser. Bhaktivinoda Narayana Goswami Maharaj, il lui explique, quand je te fais te lever devant tout le monde, ne crois pas que c'est parce que je ne t'aime pas, que je veux t'humilier devant tout le monde. C'est parce qu'il veut lui faire comprendre l'importance de cette vie spirituelle. Les sadhus sont comme ça. Après, chaque Vaishnava a une façon de parler, une façon de guider, d'aider les gens. Tellement, tellement de Vaishnava dans ce monde maintenant. Chaque Vaishnava fait d'une certaine manière pour faire prendre conscience à une personne de l'opportunité qu'il a. Mais cette opportunité qu'on a, c'est nous-mêmes qui devons la désirer, c'est nous-mêmes qui devons la nourrir.
Les Vaishnavas, ils sont là. Ils donnent leur miséricorde tous les jours. Tous les jours, ils donnent leur miséricorde. À nous de la prendre. À nous de la désirer et de la cultiver. Il y avait une conférence cette semaine de Shyamakti Chandanyati Goswami Maharaj. Il disait, on doit devenir des bons jardiniers. Un bon jardinier, tous les jours, il va dans son jardin, il enlève les mauvaises herbes. S'il y a une belle fleur au milieu du jardin, la fleur, c'est tellement belle qu'il désire qu'il n'y ait rien autour. Il enlève toutes les mauvaises plantes, les mauvaises herbes qui pourraient endommager cette belle fleur. Et il en prend soin. Tous les jours, il va l'arroser, il va faire en sorte de la nourrir. Nous-mêmes, quand on prend conscience de ce trésor du service de dévotion, on désire devenir de plus en plus attentif, comme un bon jardinier, à tout ce qui nous empêche d'aller en profondeur, d'aller au plus profond de nous-mêmes, de rentrer en connexion avec ce Seigneur qui est là, qui nous suit à chaque instant. Il sait tout ce qu'on fait. On peut prétendre être un grand Vaishnava, on peut prétendre être qualifié, avoir des grandes réalisations. Les sadhus, ils savent, eux, quand véritablement quelqu'un est qualifié. Et Krishna est dans le cœur. On peut pas tricher Krishna, ni les Vaishnavas réalisés. On peut tricher les personnes qui n'ont pas cette réalisation spirituelle. Donc, quand on comprend ça, on ne désire pas tricher les autres, on ne désire pas se tricher soi-même. On désire être de plus en plus sincère, honnête, l'honnêteté. Et une qualité d'un Vaishnava. Il ne se prétend pas être ce qu'il n'est pas. Devenir honnête, ça veut dire savoir où nous en sommes, comprendre nos problèmes et vouloir changer. Vouloir changer, ça veut dire s'enquérir de cette connaissance auprès de quelqu'un qui l'a réalisé, qui le vit au quotidien 24 heures sur 24. Cette personne-là, elle est comme un docteur. Elle va pouvoir nous guérir. Elle va pouvoir enlever toutes les mauvaises herbes qu'il y a autour de cette belle fleur. Parfois, elle va prendre un karcher et enlever vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut nous faire souffrir. Mais un Vaishnava, quand il enlève les mauvaises herbes, même si pour nous ça peut paraître dur, c'est seulement et seulement et seulement cette miséricorde. Seulement ça. Parce qu'il n'y a pas d'envie dans leur cœur. Il n'y a pas de duplicité. Il n'y a que l'amour. Donc comment ils font cette guidance quand Krishna leur demande, quand leur propre maître spirituel leur demande d'aider les gens dans ce monde, c'est simplement empli de cette miséricorde. Ka Mahaprabhu, Ka Shrimati Radharani. Donc peu importe que notre maître spirituel nous glorifie ou parfois nous reprend un petit peu, l'accepter comme la miséricorde du Seigneur. Et graduellement, on deviendra si attaché au maître spirituel, si attaché au service de dévotion, on sera empli de félicité. Les Vaishnavas, ils veulent qu'on soit empli de félicité, ils veulent qu'on soit empli d'amour. Jai Shishinita, Vijandar, Shishinanda, Shagopal, Shishiradhan. Par exemple, dans un lieu comme le temple de Gopalji Mandir, il y a les Vaishnavas. Krishna est là directement.
sous la forme de Nitai Vijombar, Nandesh Agopal, Shishi la Dame d'un Moine, même si nous-mêmes nous n'avons pas encore cette vision de les de voir et de relationner directement avec eux, ils sont là. Et il y a de la place, tous les matins, au programme, l'accueil des déités, au Mangalarti. Il y a encore de la place au temple. La salle de temple n'est pas pleine. La miséricorde des Vaishnavas, la miséricorde des déités est là. Peu importe notre condition, peu importe notre croyance, on peut venir prier, on peut venir glorifier, écouter sur ce qui a trait au Seigneur. Tellement important. Parce que le but de tous les enseignements, de tous les Védas, n'est pas séparé de Dieu. Graduellement, en développant cette compréhension de cette bonne fortune que l'on reçoit à travers les Vaishnavas, on désirera de plus en plus approfondir notre dévotion et développer des qualités pour relationner et avoir cette attitude de bon respect envers chaque être vivant. Go, Premanande, Hari Bol.